Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, le commandement des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, ainsi que quelques autorités civiles et militaires et familles, a connu trois étapes essentielles, notamment la revue des troupes par le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olesongo Ndaye, au tarmac de la base aérienne 02 sur 20. Puis l'historique de la création des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale a été ressassé par le chef de division du personnel et de l'instruction civique par intérim de l'état-major de la zone militaire de défense numéro 1, le colonel Edmond Lemba, dans ce morceau choisi. Les forces armées congolaises sont créées officiellement le 15 novembre 1960 à partir du 9e bataillon d'infanterie de la marine, en abrégé 9e BIMA, de l'armée coloniale. Le 16 novembre 1960, c'est-à-dire un jour après, la première compagnie voit le jour, dotée de fusils MAS 36 et de PEM MAT 49. Elle va constituer l'embryon des forces armées congolaises qui est présenté au président Abbé Fulbert Yulu en date du 25 novembre 60. Elle reçoit cette date son fanion tel qu'il existe encore de nos jours, bien qu'encore encadré par une tutelle française. Pour ce qui est de la gendarmerie nationale congolaise, elle est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre, assurer l'exécution des lois à l'intérieur de toute étendue du territoire national, participer à la défense du territoire national. Elle a donc deux missions essentielles, à savoir une mission de police en tant que force garante de la sécurité intérieure et une mission d'armée comme participante aux côtés des forces armées congolaises à la défense du territoire national. Au plan hiérarchique, la gendarmerie nationale est placée sous la tutelle du ministère de la Défense et sa devise est « Honneur, loi et patrie ». L'histoire de la gendarmerie nationale congolaise repose globalement sur quatre étapes. La première, la création, le 16 février 1961, par décret numéro 61/43. La gendarmerie nationale congolaise est créée. Elle demeurera sous le commandement d'un officier supérieur français jusqu'en 1963. En dernier lieu, on a assisté à un défilé, lequel a mis un terme à cette cérémonie.